Bonjour tout le monde, attendez que je vérifie pour le retour. Alors, silence-toi. Y a-t-il un retour? M'entend-on? Moi, bonjour à tous. Alors on est reparti pour du mode carrière. Après une séance désastreuse hier, hein. En club pro. Hein, avec des playoffs qui n'étaient pas bien faciles. Alors du coup, je voulais donner un paramètre parce que du coup, on va tenter. Alors je ne peux pas là, je peux sûrement en match pour pouvoir jouer en full manuel à FIFA. Nouveau défi hein, pour cette deuxième saison. Alors, comment était la compo? Ah oui, c'est vrai. On avait dû un peu s'adapter parce que du coup. On avait un nouvel attaquant, hein, Miranchuk. Ma foi, t'avais l'air bien. Je me rappelle plus si j'avais fait un peu de gestion là avant que ça commence. Mais on va partir parce que je crois que le match là il va commencer direct. Du coup, faut revoir nos plans. Parce que du coup, c'est vrai que là, vu qu'on est en match, plan d'entraînement. On va peut-être éviter. Voilà. Appliquer au titulaire. En remplaçant les réservistes, voilà. Ouais, et puis, comme là, il y a des retours. On va en profiter aussi, je voulais mettre des joueurs en prêt. Parce que la dernière fois on avait refait les contrats, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe pour nos amis. Bon, on va laisser tout pour le gardien, on va pas se prendre la tête. Oui, bah oui, forcément concentré pour qu'ils augmentent un peu plus vite. Il y a pas mal de joueurs là qui arrivent au bout de leurs limites. Voilà, on va faire un peu de gestion avant que le match. Attaquant mobile, ça lui ira très bien. Ce que je voulais voir, c'est mon jeune défenseur. Parce que j'avais mon jeune défenseur là. On va vous envoyer en prêt. Voilà, on va éviter d'envoyer du coup nos autres jeunes Kinko et tout ça, on les garde. On est parti. Alors, on joue contre Vérone. Forcément, ils ont rien. Ouais, sur les ailes, ça va pas changer ça. Silence.
Ok. Comme d'hab, on va faire des pénaux, on va pas se prendre la tête. Ah, c'est Rodriguez? Ouais, impeccable. Notre nouvel attaquant, Mandchouk. Ah ouais, ça commence bien déjà. Oui, forcément. Ah. Va essayer l'exercice du coup. Oh là. C'est bon, ça passe. Ah là là. Ah. Attrape tout. Vas-y, mon petit. Voilà. Alors. On est parti dans le coup d'envoi. Gestion. Alors. Oula. Du coup, forcément, on va partir sur du Kinku et la place de Lloris. Y a Joujou que j'aimerais bien tester. Défenseur, par contre, c'est vrai que ses stats défensifs ils sont pas ouf à lui. On va tester Mandchouk, forcément, pour aujourd'hui. Joujou, ouais, Sabi, on le fera rentrer en cours de match. Rodriguez, de toute façon, on va quand même laisser Calmar. Et du coup, pourquoi pas Soumaré? On va tester Soumaré un peu. Ouais, faudrait que je fasse aussi pas tirer Saïn en prêt. Parce qu'au final, du coup, en ailier droit, ouais, j'ai du monde, quoi. Puis du coup, bien sûr, on comptera sur Kitala cette saison. Alioui, ouais, bah. Alioui, son manque de vitesse. Parce que bon. Quand t'as grand cirque 90 vitesse et puis sous-marée, ça a un peu à rien. Allez. Ah oui, puis pas oublier de me mettre en. Ah, quoique, attends, 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 attends. J'ai pas de défenseur droit. Parce que du coup, Nego. Il est parti. J'ai pas de défenseur droit, il faudra que j'y pense. On est parti. Premier match de la saison face à Vérone. Avec notre nouveau gardien, forcément. Le club prenant toute une autre dimension étant donné qu'on part en Champions League cette année. Allez, on est parti pour cette première saison, enfin cette nouvelle saison plutôt, mais pour on va aller tester les. Ah, j'ai oublié. Non, c'est pas ça du tout. Paramètres de jeu. Receveur tard. Armé.
débute l'animation du coup de pied. Bon, on va tester des trucs. Correspondra toujours avec une angle d'inclinaison. Pour viser, mais avec une difficulté accrue pour viser avec précision. Bravo. On va tenter. On va voir ce qu'il nous raconte encore lui. Allez, on est parti pour du full manuel. On va bien voir ce que ça donne. Alors y aller avec un peu plus d'entrain je pense hein, pour forcer un peu. Ah mais c'est pas un copain moi ça. Il part toi. Ah il est pas parti. Ah oui ouais vraiment faut vraiment appuyer plus fort Manuel. Allez, oh là 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 là. Allez, vas-y, Opéry. Allez, Corpo. Allez, Corpo. Oh. Oh. Vas-y, file au gardien. Ah ça passe bien ça. Ça passe moins bien ça. Ah. J'ai pas, par contre, j'ai pas vérifié un truc. Je sais pas de quel pied il tire, Mandchouk. Il est droitier ou gaucher? Ah, il est du gauche, c'est pour ça. Peut-être éviter d'aller chercher. Voilà, sous-marée, voilà, ça commence bien. Ouais bah tu vas pas faire de frappe en précision, on va éviter peut-être de faire les tirs en finesse hein. Oh là là, il a pas de vitesse. Bon. Bon, il y a un truc qui va pas. C'est quoi ce truc là, élevé machin, mais la précision est pas accrue. C'était où? C'était là-dedans. La sensibilité de la précision dépasse.
toujours un droit, mais pour un droit, mais avec une difficulté accrue pour viser avec précision. Voilà, tu vas te détendre tout de suite. Tu m'as l'air bon, toi. On a fait un bon recrutement. Oh, l'arrêt. Oh, dommage. Est-ce que c'est un instantané? Oh, c'est une parade, non? Ah non. C'est notre ami la barre. On se tape des barres, dis donc. Ok. Bon. Alors, faut trouver les mécaniques. Moi, salut mon ancien, moi. Vas-y, pose-toi, prends ton petit café, mets-toi à l'aise. Tu es le bienvenu, tu es comme chez toi ici. On fait un test, on essaye de jouer ici en full manuel. C'est un délire. Ah! C'était bien passé ça pourtant au début. Oh, le gardien s'est couché. Oh, ça me saoule. Oh là là, ils nous ont fait un tir dans le match limite. Ah, et toujours ce défaut des gardiens de plonger allongé là. Oh bon, on va arrêter parce qu'en fait le jeu, je suis tellement lent que je peux pas jouer en fait. Donc on va remettre en semi. Parce que là je veux bien jouer, mais là plus ça va plus je suis lent dans le match, donc c'est à la limite de l'injouable. Oh là là, de pire en pire. Bon. Mais non, laisse-moi faire mes changements. Je peux pas appuyer sur. C'est un peu de mal.
Bon. Bon, les gens, ils sont même pas fatigués. Alors ça va mon ancien, tu vas les diffuser tantôt. Du coup maintenant on attaque, on n'a pas de grand AD. C'est un peu plus complexe. Oh non. C'est dommage, il l'avait presque. Magnifique. Oh, il l'a détruit par contre. Pouah. Allez, on y va, messieurs. Il est devant. Ah, aïe, mais. Putain, un peu plus fort. Il rate la tête. Yes! Et oui, le premier but. Bravo, mon garçon. Le premier but au club de Mandchouk. Exceptionnel. Ah, tu es encore malade, mon ancien. Mais comment ça se fait? C'est pas passé? Pourtant, t'avais l'air d'aller bien et tout quand je t'ai vu sur ton dernier live. Ah, puis, j'avoue, j'aurais bien passé, mais j'ai peur que, comme mes parents sont encore un peu malades, j'ai toujours peur à chaque fois de t'enfiler un truc, mais apparemment, t'es toujours malade, apparemment. Oh, vas-y, Mirantchouk, vas-y mon petit. Ah. Oh. D'accord. Sa vie. Oh, défenseur. Tu retournes au docteur demain, ouais. Ouais, qu'est-ce que. Mais du coup, qu'est-ce que t'as? Tu penses que t'as toujours la même chose ou. Péri. Ah. Ah mince. Ah, il est bloqué par le défenseur. Péri. Ouh, heureusement qu'il se loue. Ah. Vas-y, se fait stopper net, limite, comme un mur. Oh, c'est dommage.
Je tousse toujours autant. Ah là 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 là. Bah, je sais que mes parents aussi avaient des gros poumons, mais là. Et là, ils toussent un petit peu moins. Toujours peur de refourguer un truc, quoi, tu vois, donc. Ouais. Bah, puis la dernière fois que t'avais été au médecin, il t'avait dit que t'avais quoi du coup? C'était quoi, une bronchite? Bronchite qui aurait du mal à passer, non? Et autre chose, il m'a pas dit. Ouais, un peu bizarre pour un médecin qui dise des trucs qu'il a pas dit. Des trucs qu'il sait pas. Offre de transfert de Touré pour Montpellier. Bah écoute, on va les négocier. Il est nul. Oh, je suis pas étonné des médecins, hein. Million 355 000, ça passe. Va impeccable. Non, mais j'espère qu'il au moins il réussit à trouver quand même le bon truc pour te soigner, parce que c'est quand même un peu grave, quoi. On rigole pas trop avec la santé des gens, quoi. En ce moment, je joue pas à la console, pas assez de force. Bah, et puis je me doute que, ouais, quand on est vraiment mal foutu, je sais que moi je préfère rester couché. Hein. Parce que c'est pas ouf de. C'est pas ouf, quoi. De jouer tout en étant mal foutu, malade. C'est un peu embêtant, quoi. Je comprends pas, mon petit. Pourquoi mon petit Collins, il est un peu en mode bof? Kejta, j'ai peur que ce soit les performances en fait qui le. Il est malheureux. Oh là là, faudrait que j'aille voir si c'est pas dans les. Ça peut être réglé. Avec ça.
Non, bah et puis bah attends, je vais faire une pause. Puis bah si jamais c'est vrai que ça soigne pas, c'est vrai que c'est long, hein. Si il a du mal à te soigner. C'est pas évident quoi. Puis en même temps, après, c'est de la faute des médecins aussi, hein. Maintenant, tu peux pas changer de médecin comme ça. Si l'autre il te plaît pas, bah t'es obligé de le garder parce que bah du coup personne veut te prendre. C'est vraiment les médecins maintenant, pff, ils ont un délire quoi. Parce que moi je te conseillerais bien d'aller voir Orange quoi. Mais bon, là, maintenant, là, c'est son remplaçant. C'est pas sûr si il prend pas. Maintenant, faut que t'attendes après eux et disent, oh, pour l'instant, on peut pas vous donner de rendez-vous. On vous rappelle, au final, ils te rappellent jamais. Moi, ça me. À moi, vraiment, maintenant, il y a des trucs, ça me dépasse, quoi. Je sais pas si c'est la génération de maintenant ou quoi, mais. Il y a des états d'esprit, ça me. Ah, des fois, t'as envie de prendre ton chausson et de leur claquer la gueule avec, quoi. Surtout que bon, après. Débordé, débordé. Moi, je me rappelle à l'époque de mes parents, ils avaient un médecin, il s'appelait Enoch. À chaque fois qu'ils allaient au médecin, c'était blindé, la salle était blindée entre les deux médecins parce qu'ils étaient deux. Les gens étaient debout, il y en avait même certains, ils venaient, ils étaient debout, mais voilà, ils prenaient tout le monde, ils faisaient même le service de nuit et tout ça était. Puis ils ont fait là, bon bah, on fait pas le service de nuit. T'es là, t'arrives dans le truc, bah en fait y a personne. C'est un peu, t'as l'impression qu'ils prennent le compte-goutte, c'est un peu comme les médecins, enfin comme les dentistes quoi. À chaque fois tu entends, je suis débordé, mais y a personne dans la salle. Y a pas un rat. C'est là, ces trucs qui sont quadrillés, tout est organisé pour, mais les mecs se sont débordés. C'est. Ah ouais, il y a des trucs, bon, parfois je veux bien, tu vois, quand t'as le planning plein et tout. Mais moi, la dernière fois que j'étais au dentiste, l'autre, elle me dit pas rendez-vous, bah comme là, bientôt, là, c'est ce mois-ci. Elle me dit février. Et quand je vois tourner les poches, je fais, bah regardez, fin janvier, bah il y avait de la place, puisque c'était des opérations de 45 minutes. Je fais, bah là, claquez-moi une opération là. L'opération là, et puis bah l'autre c'est pas grave, mais si vous la faites dans une semaine ou deux, ah, mais je vous les mets là. J'ai fait oui, bon, en gros, j'ai pas le choix quoi. C'est en gros, j'ai mal aux dents là, hein. C'est pas la peine de me refaire venir dans 6 mois. Ils sont graves, ils me rendent ouf. Peut-être repartir sur mon match, moi je suis là en train de raconter ma life pleine de trous, moi. Mais ouais, ça me dégoûte quoi, pour les gens comme vous qui avez vraiment besoin d'aller au médecin, vous êtes obligé de vous taper les médecins pourris là. Burnley contre le Havre AC. Et parti pour ce deuxième match, on va voir du coup. Avec une équipe qui a un peu plus l'équipe type.
Oh! Oh, quel gardien! À plus, mon ancien. Prends bien soin de toi, surtout, hein. De toute façon, je te téléphonerai pour prendre des nouvelles. Ouah, il va me dire c'est moi qui fais mal là-dessus. À plus, l'ancien. Apparemment. Avec moi qui a vu la main, hein, je suis sûr. Elle me la prendre, oui. Pète-moi ça, voilà. L'engagement, je le vois. Perry, il est où? Oh là là! Pumu s'est pris un tir à terre, il s'est pris un tir de but! Comment il fait lui? Ou Argost, il est arrivé là lui. Bon! Encore une fois, on mène pas au jeu. Ça va pas du tout ça, hein. Pour aller jouer en Ligue 1, pas encore cette année qu'on va battre le PSG, je le sens, ouais. Ah, rate pas ça quand même. Oh bah. Bah Sabi. Vas-y mon petit. Mais non! Quelle frappe! C'est quoi? Je voulais faire un extérieur du pied, c'est parti en sucette direct! Oh là là! Il rame! Il rame! Bateau rame! Mais non! Bon, il a failli botter le fessier, mais bon. Allez, vas-y, mon grand. Compliqué. Oh là là! Son pro gardien reste là. Merci, Kouzaïef, hein. Le gardien était aux fraises, non, il l'avait pas. Gardien, ouais. Mais non, mais pas lui, à Manchou. Oh là là. Ah, la main. Ouais, tut.
Ishta, voilà! Ah là là, au péril! Il est sur toutes les actions! Et encore là! Oh! Bon, elle me dit pas qu'il y a un jeu là-dessus! En plus, c'est au péril qu'ils écoutaient là! Oh! Ça me rattrape pas, c'est bon. Bon! Faut un peu se réveiller à la seconde période parce que ça va pas aller ça. La saison risque d'être compliquée. Enfin, pas abusé non plus. Hein. Ah! Il avait tout fait grandir. Hein, ouais. Un peu plus de conviction. Ah. Oh là là. Moi, je pense que c'est le moment de tester Kitala. Allez, cours petit. Messieurs, ne nous enflammons pas. Ah, Vautier. Alors. Let's go! Ah.
Ah, Kitala, voilà, il arrive à peine, voilà, c'est bon. Il a Kitala et ça fait su. Premier but de Kitala. Magnifique, mon petit, voilà. Qui revient de prêt. D'ailleurs, il avait été prêté à Concarneau, je crois, comme ça. Je sais plus, c'était quoi. Oui, c'était ça, Concarneau, je crois. Aller au milieu. Allez, cours, bordel! La gardien? Ah, impeccable. Voilà! Voilà, bravo, Kouzaïef! Il va peut-être, ça se trouve, vous sauver le match. Impeccable. Ah voilà, il n'y avait pas besoin de mettre de force finalement, hein? Oh, ça va, ça va. Faut rentrer King Koué à la place. Je sens que le match il va mal finir ça. Ah dommage. Ah, vu que c'est en manuel, je me suis dit ouais, je penserais qu'il aurait fait plus bas, mais non, au final il a levé, la balle quand même. Ah. Oh, vas-y, cours! Le bonhomme il court même plus. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh là, le gardien, ça y est, il est monté. On s'emballe. T'emballes avec ton gardien, toi. Vas-y. Non, mais vas-y, ça va. Donne-leur des actions, je te dis à rien, quoi. Là, tout le monde fait une tête. Wouah! Non, mais. Non, mais. Qui fait, quoi? Voilà, j'ai un match nul pour des actions comme ça, non mais franchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ah oui, t'es content, hein, d'avoir fait ton truc de mort là. Oh là là. Ah, à chaque fois on se fait avoir. Putain. Oh, c'est pas bon ça. Bah bon, on a fait que des matchs, on fait que des matchs nuls. Ah, offre de transfert pour bas. Oui, j'arrive, j'arrive. Voilà.
que je tenais à vous remercier. Je pense que j'ai pris un risque en venant vous parler, mais vous sembliez vouloir prendre le temps de m'écouter. Les choses vont mieux pour nous depuis quelque temps. L'ambiance dans les vestiaires est bien meilleure. Eh ben voilà, c'est bien. Offre de transfert carrément pour Brian. Préachat. Allez, vas-y. Ça me relie. Prétendant. Ok. Prénom pour Brian. C'est bon. Montant du transfert. Et ben voilà. Ah oui non. Ah oui non, c'est parce que c'est le signe de négociation. Oui, ok, d'accord. Il y en a un deuxième? Ah mais de toute façon, il n'y a pas d'action possible, donc même plus de son là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre petite boîte mail? Toi, a été vendu, offre de prêt. Ça, ce joueur se situerait entre 1 million et 2 millions 200 000 négociés. Ben voilà, c'est bien. Ouais, comme ça tout le monde est content. Bon. On va repartir à bord. Vas-y, en plus j'utilise jamais, vas-y, bah les steaks. Je fais même pas l'entraînement, ça me saoule. Alors. Je pense que les résultats. Ah ouais, mais Keshta, c'est de pire en tout. Wow! Attends, non, faut que j'aille voir. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Dans l'accueil du club. Qu'est-ce qu'ils ont, mes petits pères? Bon, encore, je comprends des smas, ok. Keshta. Il veut que j'aille renégocier son contrat, peut-être. J'ai encore un nom. Vas-y, vas-y, je suis un négocié. Je comprends pas où. Ignorer la clause libératoire.
Vas-y. Oh, vas-y encore. C'est quoi? On va modifier ton truc. Je te mets 8000 de moins. Que ma signature. Il est bien gentil ton copain, mais fume. Puis vas-y. Si tu me marques 15 buts, voilà, j'en ai le plus. Ça te va? Alors là, franchement, vas-y mon petit père, hein, marque 15 buts. Puis on avait notre cher Soumari. Forme mauvaise. Négocie ton contrat, ça va peut-être aller mieux, hein. Oui, 3 ans, ok. On ignore la clause libératoire. Maintenant que nous allons trouver un accord entre ton but et par mon argent. Propose 8000, voilà. Alors par contre, prime titularisation, tu vas te faire foutre. Hein. Puis tu me baisses ça. Hein. Complètement craqué, lui. Non. Alors là, par contre, qu'il soit payé plus cher que Keshta, à un moment donné, il va falloir quand même. Ce n'est pas vraiment ce que mon client espérait. Oui, bah, tu vas te détendre tout de suite, hein. Bon, déjà, ça va un peu détendre le fion à tout le monde. Et on fera rentrer Grand Sire plus tard. Desmas, tu vas aller là, parce que de toute façon, tu comptes être vendu. Et Miranchou qui est bien gentil. De toute façon, ça sert à rien d'aller espérer plus que quoi que ce soit. Donc, Ngoura. Tu vas aller là. Et on va tester le petit guillon. Gomis, on va le mettre. Peut-être mettre Gomis plutôt. Ouais, quoique. Y a pas des meilleurs stats que Guillon en vrai. Ouais, c'est bon, il va se débrouiller avec sa Kitala. C'est vrai que c'est pas son poste, mais bon. Ah oui, c'est quoi qu'il nous faudrait aussi? On n'a pas de défenseur droit. N'a pas de défenseur droit. On n'a pas de défenseur gauche. Donc il nous faudra des jeunes. Et dans nos milieux, parce que c'est vrai que j'ai mis les milieux, les milieux, les milieux. Ah, mais on n'a pas de. C'est le moment de faire entrer les jeunes, je pense. Pour l'instant, on reteste comme ça. Contre le Grenade FC, c'est parti pour ce troisième match de préparation. Allons-nous encore assister à un nul, hein? Enfin, va-t-on voir peut-être une victoire? Non mais par contre, c'est bien gentil, mais il fait un peu dépouillé, non? Quoi? C'est obligé que ce soit un con. Laura.
Quel gardien! Merci, hein. Le gardien, une fois de plus, toujours aussi exceptionnel. Ils ont un délire. Ne plongez pas dans les jambes des mecs en mode allongé, comme si vous étiez à la plage, bordel de merde. Ah. Oh, j'ai pas le choix, il va falloir que je réinvestisse dans un gardien. Hein. C'est pas possible. En tout cas, on n'aura jamais pris l'avantage. Hein. Toute la durée de la préparation, on n'aura fait que de se prendre des buts. Voilà! Merci Sabi, voilà. Toujours raison mon gâté. Très bien. Ouais. On est bien parti. Maintenant, faut pas se contenter de ça, il faut qu'on aille marquer. Voilà, voilà, pète-le. Oh, moi, ça fait bouffer. Wow, il m'a détruit. Post-ordi. Mais non, il est en train de couvrir le mec là-haut. Ouais, du pop, il était hors jeu, mytho. Oh, mais courez pas comme ça et balancez pas le ballon en mode de, après on peut plus bouger là. Mon dieu. Lui il adore prendre les ballons et les pousser devant. Comme ça le mec il peut la rattraper gentiment. Et ça va, tu le contrôles pour les autres toi maintenant. Pendu.
Quoi? Mais ta gueule, y'a rien du tout! Qu'est-ce qu'il me chante? L'autre, ça y est, il racute pas, ça y est. Ah, oh, mais il me saoule! Putain! Mais reste debout! Arrête de faire le mongolitos là! Regarde-moi ça, c'est quoi cette intervention? Mec, il saute complètement à droite! Mais qu'est-ce qu'il fait? Personne! Mec, il est en face de lui, il saute, je sais pas où! Qu'est-ce que c'est que ces sauts de merde? Vous pouvez pas plonger comme des êtres humains! Mec, il se prend pour un dauphin, clochard! Ah, voilà, en même temps, on peut rien foutre. On se prend tout le temps des buts, là. Ah, on fout, tant pis. Le restant des millions, ils vont passer dans un gardien. Ras le cul. Ah, à un moment donné, impossible. Oh là là, Jean Laburne. Ah, il nous sauvera pas un match, c'est pas la peine. Lui, il finit dernier remplaçant. C'est bon, il va saouler. Aïe, l'autre à chaque phase on devient lent. Accélère! Ah! Mais. Pff. Oh là là, il rattrape sa bille, il a 90. Oh, il a carrément fait un tir atomique, il a carrément tiré dessus. Voilà! Ouais, au péri, ouais! Il répond présent. Bonjour, je suis là. Merci au péri, hein. Nous sauve la vie. Quel casque. Parce que de toute façon, il n'y a aucune différence entre les deux. Hein. Bouscule-moi. En tout cas, c'était nickel, Kitala. J'ai rien à trop dire sur lui. C'était très bien. Mais vas-y. Vous avez des trucs chelous quand on est en manuel.
regarde juste vite fait un truc. Est-ce qu'il n'y a pas un guide pour le tir manuel? Ouais, mais ça dit ça. Mais pour le tir manuel, non. Parce que du coup, au final, avec le manuel, en fait, limite, je mettrais l'autre, c'est pareil. Parce que du coup, ça m'indique absolument pas si je tire vers le but ou pas, en fait. Je sais même pas où je tire, en fait. Parce que connaissant le jeu de mort avec ses scripts et tout le bordel. Assister la tronche qui la peau, ça me met pas là, ça me met pas là, et puis ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Prendre accessibilité peut-être. Ça. Défilement effectif. Ouais. Mais quand je clique sur accessibilité, c'est l'accessibilité, non? D'accord, c'est juste ça. Ok. Ok, bon, ah, tant pis. Hein. Parce que j'avoue qu'un indicateur pour le tir manuel, ce serait quand même un peu mieux. Parce que comme moi, j'ai vraiment zéro confiance dans le jeu. Il me bouffe les couilles. Ah, le jeu, il m'énerve. Qu'est-ce qu'il fait? Magnifique. Et voilà, merci sous-marin, voilà. Ouais, sous-marin qui prend l'avantage pour le hack. Après encore une fois une belle incursion de Rodriguez. Toujours dans les bons coups. Wouah! On voit la balle encore plus loin la prochaine fois. Ça envoyait si loin que ça. Ouais, bah ouais, si. Le choix, non? Ouais, encore la vue de mort. Il va encore m'envoyer, je sais pas où. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Putain, il me saoule à mettre cette vue là. Ça fait des tirs. Ça fait des passes pourries. Allez, viens là, toi. T'as de la chance que je cours pas.
Ouais, gardien, premier arrêt. Et le premier arrêt du gardien. C'est magnifique. Son premier arrêt dans le club. Peut-être que ça en appellera d'autres. On ne lui souhaite que ça, hein. Ouais, bah en gros, j'ai pas le choix, quoi. Il me siffle en péno. Oh, ça me bouffe. Ça me gonfle. Oh là 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 là. Y'a rien. Le mec lui fonce dessus. Y'a rien. Ah, mais c'est pas possible. Ah, ce jeu, quand il t'en veut. Oh là là. Pouah, et eux, ils ont le droit des gardiens comme ça. Mon gardien, il a pas fait un arrêt de la partie. Oh, ça me gonfle. Oh, on n'arrive à rien. C'est pété. Voilà, je me fais rattraper alors qu'il n'y a pas de péno. Compliqué, hein, franchement. C'est pire en pire. Attends, manuel, t'as pas l'indicateur pour savoir où tu tires. Hein. Les passes, essayons même pas parce que sinon le jeu est ralenti. Offre de prêt pour Gomis. Oui, puisqu'au final, il était pas si bon que ça en fait. Bon, allez, fais pas ton chacal, tu peux lâcher ça de plus, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et ben voilà. Bah rejeté du coup. Ouais, de pas avoir atteint la finale de la compétition. Ouais, excuse-moi, hein, en enchaînant match nul sur match nul, on va pas loin, c'est sûr. Hein. Face, cinquième. On n'a pas gagné, on n'a pas perdu. On avait les matchs nuls. C'est déjà pas mal. pourquoi? Déjà, je peux le signer. Bon, arrête-toi-le. Ah, d'accord. Moi, je suis dans le tour préliminaire. Bah, ça fait plaisir. Ah, contre le Besiktas. Ouais. Et bah, il va falloir faire un peu plus d'efforts, moi je dis.
Bon, du coup, il faut nous retrouver un nouveau gardien, parce que celui-là, il pue. Mais il pue fortement. Regardons, qui est... Est-ce qu'il y a des gardiens à vendre là-dedans? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ok, on va s'en passer. En agent libre. Mais non. Dans Ligue 1. Cause libératoire de 39 millions. Y a Lopez. 28 millions. Gardien de Lorient, Brice Samba. On va attendre un peu, on va attendre quelques jours. On va aller dans le bureau. 31 millions de transfert, j'ai 30. Donc je peux l'acheter. Accord pour le prêt de Saïd. Un prêt avec option d'achat. Délégué, bon, un prêt d'un an. Ça y est encore. Après, donc ça me va. Salut mon poteau. Ah. C'était pour lui. Ah oui, non, mais d'accord, c'est parce qu'ils partent tous. Ok. On n'a pas le choix, mon ami, parce que là, ça part, ça bouge. Techniquement, il y avait des rapports normalement où il n'y avait pas trop de. Pas trop de temps à attendre, donc je pense que ça devrait le faire. Et bah, c'est bien si au meilleur de sa forme qui continue.
Alors, tu t'occupes d'un prêt. Et pour eux, tu négocies, ils se débrouillent entre eux. Bah vendu. Offre de prêt pour Guillaume, c'est bon. Ok. Du coup. On a regardé la gestion d'équipe, les rapports des recruteurs. Si je viens en chercher le joueur, il y a toujours ce que j'avais demandé? Nickel. Oui, en gros, ils sont pas encore regardés, quoi. J'aurais bien aimé qu'on voyait ça avant le match du Besiktas. Ouais, ça bouge là. Accord pour le prêt d'un an. Ok, transfert de Chadli. Accord pour le prêt d'un an d'Angoura. Ok, oui, Samba. C'est 82, 23 millions, pas de clause libératoire. Paul. 81, 20 millions. Alban Lafont, 79, 35 millions de clauses libératoires. Diouf, 78. Allez, on prend Brice en bas. Allez, je suis chaud. Rocher pour achat. J'espère que le fait qu'on joue pour la Ligue des Champions, ça va l'intéresser. Un, deux, un, deux. Désolé encore pour le buxon, hein. Désolé. Et j'ai pas compris encore. Valeur 23 millions. Je propose 23 millions 500 000. Offre dérisoire. J'ai pas compris. On va attendre un peu et tant pis on prendra Paul. Hein. On prendra Paul à la place. Pour Dalair Kuzayev, oui. Je crois que... Bah tant pis, on va pas attendre les autres rapports et on va prendre directement le...
Comment ça? Ouais, mais il y a une clause de libération de 28 millions. Vas-y, je tente un truc. On va négocier avec le club. Tenter, on va bien voir. Je te propose 12 millions. Il n'en a perdu. Le bug. Il n'en a perdu ses fringues. Le mec il se trimballe à la poêle. Non mais n'importe quoi. Et bon, on est parti. D'un an. Si j'ai négocié deux. Ah. Pas de clause libératoire, c'est nous qui décidons. Ah, son salaire était de 37 000. Pose la même. Voilà. Tout le monde est content. Et voilà, Anthony Lopez arrive au hack. Bon, je sais que le prix elle va me dire voilà D. J'aurais pu le proposer moins, mais. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y a des défenseurs centraux à vendre en Ligue 1? Pas du tout. Alors. De vitesse. Vas-y, viens en fait. 8 millions? J'ai largement. Mais vas-y, j'ai largement, non? Ok. On est parti. Décisif. C'est très bien, 3 ans. On ignore la clause libératoire. Ok.
Alors. Attendez, attendez, attendez. Ça s'emballe un peu. Mais non, c'est dans l'accueil ça. Alors. Les gardiens axés sur la performance. Voilà. Voilà. Ok. On est parti. On va faire un dernier match avant de fermer tout ça. Intéressé par sous-marin rejeté. Salmier. Hop. Transfert 100 ans. Alors, on a les plans d'entraînement. On fait comme d'hab. Axé sur l'énergie appliquée au titulaire, sauf bien sûr Lopez. Performance à fond. Toujours performance à fond. Appliqué aux remplaçants et réservistes. Voilà. Ah, c'est un match aller-retour. Oh non. Partir en sucette leur histoire. Nous attendre puisque de toute façon c'est prévu comme ça mon ami donc rapport d'avant match. Ah ouais pas la même équipe. Bailey, TT, Wagner, Rebic, Bobacar. Ah ouais, carrément. Okay, thanks for waiting. We can make a start now. Okay.
Mais oui, c'est exactement le genre dont on a besoin. Oui, parce qu'on a réellement besoin d'un vrai gardien. Et pitié qu'il fasse pas des trucs chelous. Alors on est parti, mesdames et messieurs, hein, le dernier. Dernier match. Non, pas le dernier match vraiment, mais le. Oui, le dernier match. Oui, oui, le dernier match du live. Donc on est parti. Par contre, il faudra que je re-regère parce que du coup j'ai mal géré le tranchant. Let's go. Oh là là, le hack en match de Ligue des Champions. Par contre, j'avoue qu'un tour préliminaire, ça me saoule un peu. Puis en plus contre le Beşiktaş. Donc bon, allez. Parce que du coup, attendez, j'ai pas vu vraiment à quoi ressemblaient les stats là de. Ah oui, en effet. Ah, ouais, bah, en tout cas, il me lançait des vachement facilement quand même, parce que bon, c'est pas. Je pense pas qu'il était remplaçant à Nantes, quoi. Ah! Bon. Quel gardien est sorti très vivement. Vas-y, pour moins que ça, tout à l'heure j'ai eu péno. Wouah, vas-y, ça fait bouffer. Ouais, bah en tout cas, tu peux pas me sortir le coup du. Il a pas de vitesse, hein. Parce que là, ça marchera pas. Hein. Il y a un trou dans la défense. Voilà sa vie, son premier but en Ligue des Champions. Quel homme! Paf! Magnifique. Ouais, c'est un but de lâche, mais c'est pas grave. Tant qu'on gagne, moi j'en ai rien à foutre. Parce
parce que là, bon, les matchs de Ligue des Champions, je peux pas trop me permettre de faire n'importe quoi. Premier ballon pour Lopez, voilà, tout de suite on sent, tout de suite homme d'expérience. Pouah. Allez, let's go. Je sais pas sur le but de qui. Oh, le nouveau. Ouais. Impeccable. Comment fêter son entrée au WAC. Ça c'est bon ça. Ouais, ça c'est impeccable ça. Qu'on danse ou... Il a envie que je le pète lui. Mandchouk pour l'instant n'a pas encore marqué officiellement son premier but. Hein. Il a marqué en des matchs de prépa, mais pas dans une compétition officielle. Oh, bah. Ah, c'est loupé. Le centre était poivre, mais en même temps, j'avoue que faire un centre avec Mandchouk c'était pas malin. Impeccable. Bon, faut pas se laisser faire en deuxième période, hein. Parce que là, faudrait pas qu'on se fasse bouffer facilement, parce que. Si j'ai vu, normalement il y a un match aller-retour, donc ce serait bien de mener le premier match. Ce serait plus tranquille pour la deuxième. Parce que vu qu'après on a le premier match de Ligue 1, pas me dire qu'il y a foot là-dessus. Oh, je vois qu'il est sorti jusque là lui. Ah là, magnifique, quelle passe de Kejta.
Oh non! Oh non! Ah, c'est raté. Apparemment, il était un peu trop du bout de la tête. Ouais, ouais, Keshta, ouais. T'es bon, toi, dis donc. Ah, les tirs manuels, ça apporte son lot de surprise aussi, hein. Magnifique. Vas-y, Sabi. Sabi. Ah. Ah, c'était compliqué. J'aurais dû reculer avant. C'est mort. Non, pas trop, parce que du coup... Bon. Manchouk, c'est pas la peine. Sabi, il a bien joué. C'était moyen. Keshta, c'était pas ouf. Parce que j'ai rassé 2-3 trucs. Après, il a fait des bêtes passes. Hein. Mais c'était pas ouf. Ah, c'est dommage. Quel gardien, voilà. C'est une sortie de but, c'est une sortie de but. Voilà, pas la peine. Casimir. Oh, le con de son camp. Bon, ce sera pas un but de kit à la, mais il l'a amené. Impeccable. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Oh. En fait, j'avais complètement loupé mon pied. Ouais, ouais, moi je dis le génie de Kitala. Hein. Moi je suis désolé, mais quand on frappe comme ça, hein. C'est beau ça. Pouah, la destruction. Oh, Perry. Ah oui, c'est vrai, en plus, il fallait que j'aille chercher un jeune défenseur gauche pour remplacer au Perry. Oui, oui, pour remplacer au Perry, parce que dans les matchs, il peut pas faire tous les matchs. Oh là là, depuis qu'il est là, c'est carrément plus facile à défendre.
Vas-y, sous-marie. Oh là là, ça lui passe par-dessus. C'est une fin d'année. Bravo messieurs! Première victoire en compétition officielle, 3-0 contre le Beşiktaş. Voilà, super content du recrutement, ça a super bien fonctionné. Comme quoi, il manquait vraiment pas grand chose hein, à l'équipe. En plus de ça, il célèbre avec un but, un clean sheet. Le club il prend une toute autre dimension, ça fait plaisir. Bon bah voilà. Bon bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Hein, c'était bien sympathique. Hein, c'était bien sympathique. On a eu notre première victoire, tout ça en compétition. Du coup, je vous fais des bougeons. Hein, et puis je vous dis du coup à la prochaine. Bon, de toute façon, je vais finir après l'interview. A été décevant pour ses débuts. Ah bah merci à Clinchy. Pouh, n'importe quoi. Il n'y a aucune réponse qui correspond. Hein. Ah, hein. Ah, après ça, ce résultat vous va, permet-il de... Faut rester concentré. Voilà. Très bien, bon bah dit tout le monde, je vous fais des bougeaux. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, tout ça, tout ça. Et on se retrouve bientôt. Bon allez, bougeaux, bougeaux.